Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Notso Berry. Ah, on se retrouve, c'est déjà le petit matin si je dis pas de conneries. Ah non, il est 4h30. Je le savais qu'il y a quelqu'un qui Long attendait. YouTube. 4h30 du matin, on dirait qu'il c'est 8h du matin. Ah non, parce que c'est la lune, elle est pleine, c'est vrai, c'est pour ça. Bon, alors tout le monde Coucou va se coucher. YouTube, oui, si est-ce une bonne idée de programmer le message à l'avance, lol Bah oui, hein, je m'en doutais, hein, que vous alliez faire. Vous attendiez que je mette l'enregistrement en route pour faire aller Coucou Chantal. Hein. YouTube, cœur bleu. Oh, ils sont gentils en plus. Alors, les cours des enfants, des filles, vont pas tarder. Tu vas y manger. Va manger, Bonjour Léandre. YouTube. Vous êtes mignon. Et on a relooké la semaine dernière après le live. Ouh, punaise, Prune, elle est pas bien. Tu vas en cours? Non, elle va pas en cours, c'est bon. Donc elle peut dormir. Donc on l'a relooké difficilement. Hein. C'était quand même un peu complexe, sachant qu'aussi c'est la génération prune, mais déjà les cheveux, ils sont pas vraiment prunes et les fringues dans les tons violets sont quand même très peu existants et ils s'accordent pas entre eux. Donc c'était pas forcément facile, mais bon. Non, mais meuf, si t'as faim, va manger. Parle pas à ta sœur. Ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps depuis qu'on a joué la dernière fois, quoi. Prune et son magnifique profil. Mais oui! Eh, je suis désolée, hein. Moi, je vous avais dit qu'elle était moche. Vous voulez dire, non, t'exagères, non, t'exagères. Et maintenant, qui c'est qui dit qu'elle est moche? Enfin, pas dans ces termes-là. Mais je vous avais prévenu, hein. Pas de psychologue. Merde, j'ai pas mis mon beat. Hey, coucou Marie, comment tu vas? J'arrive au bon moment. Salut les petits culs poilus, les petits culs poilus. Ah bah écoute, Dipsy, pas de soucis. Quelqu'un saurait me dire pourquoi j'ai le multiplicateur sub à 1, 2 au lieu de 2, 2, 2. Ah, ils ont peut-être changé, je sais pas. J'en ai aucune idée pour moi, je pensais que c'était... Oh oui, c'est vrai qu'Yann, c'était le cousin qui avait grandi aussi. Je pensais que c'était toujours deux en fait, je sais pas. Bonjour Marie. Moi j'ai rien changé, hein, donc c'est pas moi. Bon allez les gars, les gamines là. Oh putain, c'est vrai que c'était la fête là. Oh, la femme de ménage, elle aura du taf aujourd'hui. Lavande, elle va aller à l'école. Oh la bichette, vous grandissez quand? Oh vas-y, aujourd'hui on va les avoir adolescentes. On va pouvoir déjà statuer sur qui sera la... Oh, l'héritière. Et si vous avez des idées pour élire l'héritière entre Lila et Lavande? Moi je prends. Tu vas te faire des amis. Allez, viens, arrête de manger, va en cours. Non, mais c'est bon, fais pas la vaisselle! Oh là là, t'es trop gentille. Cocotte. Est-ce que lui aussi, il va se lever? Toi, tu vas en cours. Tu vas en cours, tu vas au boulot. Quoi? Non, j'ai cliqué à la maison! Mais je suis trop stupide! Oh! Attends. Parce que là, on a notre grosse prune qui est debout. Pardon. Alors, hein? Voilà. Voilà. Imprégnez-vous bien ce profil. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. Je ne ferai pas de commentaires. On va s'occuper d'elle quand même pour qu'elle se remonte. Mais oui, mais je t'ai programmé! Oh! Commence pas à me les briser, Pourquoi hein. pas sur une compétence, celle qui a le level le plus élevé en grandissant? Ben, en fait, on saura pas. Enfin, sauf si je regarde maintenant. 5, 2, 3, 6. 5, 3, 2, 5. Ben, c'est... C'est lavande. Ouais, ce serait lavande. Je sais... Ben, après, parce qu'en fait, la génération prune, il y a beaucoup de taf hein, pour... Ben, va bouffer. Va Je bouffer. cours la cause de cette chaleur. Je vais aller prendre une douche froide, je reviens. Mais il fait que 30 degrés, les gens, je sais pas. Hein, vous faut. Parce que bon. Allez, l'empathie, hop. Parce que, je veux dire, quand il faisait 45 l'an dernier, je peux comprendre, mais là, il fait que 30 degrés, quoi. Ça va, hein. C'est. Enfin, je crois qu'il fait 30 degrés. Ah, ben moi aussi, j'ai hâte de les voir ados, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ok, Sam. J'espère que tu vas pouvoir passer. Sans parler des pyramides. Ah, les pyramides.
Mes belles pyramides d'amour. Ah, la femme de ménage est là. Ok, ils me refont le coup de je mange pas ce qu'il y a dans le frigo. Ah non, c'était les spaghettis qui buguaient la dernière fois chez eux. Voilà. Comment elle va, ma nunu? Ma nunu, bah, elle dort. Je vais préparer ma quiche, vous m'excusez. Ah, je l'ai fait chanter sous la douche, mais bon, on a réussi la dernière fois à avoir les 10 en chant. Donc maintenant, il nous reste que deux objectifs concernant nuages. C'est pas grand-chose. Il faut qu'on soit en éducation niveau 10 et la carrière niveau 10. Et non, carrière, c'est là. Sachant qu'on est au niveau 8. Et normalement, on devrait avoir une promotion. Alors, ce sera pas aujourd'hui. Au fait, Nour, tirait Babou t'a fait sa primaire demi-journée d'adaptation chez Nounoussi, y est-il très bizarre comme sensation de laisser son bébé. C'est pour ça que moi je laisse pas mes enfants à n'importe qui. Oh, punaise. Et toi, tu vas y courir, hein? Alors oui, j'ai dit qu'elle était grosse. Bah c'est vrai, elle l'est un petit peu, hein. Mais moi je suis même... Bon, j'ai pas autant de seins qu'elle, mais je suis un peu dans le même délire. Voilà. Et je dis moi-même que je suis grosse. C'est pour remettre les choses à plat. Voilà. Oh. Elle est pas si moche, si on a juste le menton, ça passe. Oui, mais quand même, avec ses yeux marrons, ça passe pas. J'en veux pas. Elle fait peur. Ah mon Dieu. Tu vis pas sous les combles, toi? Non. Je suis au premier étage et j'ai. Oui, après j'ai pas le soleil. Vu que je suis orientée nord, j'ai pas de soleil dans ma qui tape chez moi. Ah bah non, tu vas pas y suivre frénétiquement, on a une femme de ménage. Alors du coup, toi, j'ai cliqué maison. Je suis un peu bête sur les bords. Alors, réparer quelque chose et rédiger un rapport sur un produit. Bah écoute, t'es sur l'ordinateur. Ok, mais... Qui c'est quoi? Allô? Ouh. Oups. Ok. Qu'est-ce qu'on se marre aujourd'hui? C'est bloqué. Mon jeu est en PLS. Ah! Ah non, c'est quand on clique sur le PC que ça merde là. Oh! Ce lag de l'infini, quoi. J'ai au moins le temps d'envoyer un ping à l'autre bout de l'univers, mais pas le nôtre. L'univers qui est au bout, le dernier. Bah pourquoi pas qu'il y en aurait plusieurs, on sait pas. Ok. J'ai pas intérêt à me planter. Ingénieur. Oui, c'est ça. Ouais, est-ce que si, il faut que si ça. Ok, c'est bon. Non, alors toi, non. T'arrêtes, tu vas rien foutre du tout. Tu vas venir courir. Voilà. Excusez-moi, hein, bon. Moi, j'aime les Sims, mince, hein, je vous l'ai déjà dit. Hey. Bon, toi, t'as pas fini de chier? On a eu peur un petit peu, hein. C'était un petit peu complexe. Hein. Salut Cara, comment tu vas? Dans mon appart, c'est un foire, ah, oui. Salut Marjorie! Marjorie, je dois toujours te faire la chanson, mais à chaque fois tu pars à la fin des lives. Mais je te dois toujours une chanson et j'ai pas pu te rembourser parce que j'avais supprimé le truc. Mais je te dois toujours une chanson. Elle est adulte ou vieille? C'est elle qui dort. Ça paraît que je suis pas. Ouf. Ah non, elle est juste adulte, Nuage. C'est juste que c'est la génération grise. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle a les cheveux gris. Parce qu'elle est de la génération grise. Et comme elle est génération prune, donc elle est en violet. Non, elle est adulte, on a le temps encore. On a 20 jours avant qu'elle devienne vieille. Donc, non, t'inquiète, tout va bien. Ils sont à la fleur de l'âge, ils sont beaux comme des camions. Qu'est-ce que tu peux faire? L'éducation. Ah, merde. Est-ce que tu peux éduquer? Ah oui, enseigne à ta fille le sport! En même temps, pour la génération prune, il faut avoir plein de compétences. Niveau max ou je sais plus quoi, enfin c'est. Il y a beaucoup de choses à faire. Après elle, on s'en fout. Ce PC bug, j'ai même souci. D'accord, choisir l'héritière, on peut prendre au nombre de points d'aspiration. Bah je les ai pas joués, donc ça va être compliqué. Non, non, j'ai. Non, mais Liane, j'ai mis sur play, ça marchait pas non plus. Hein.
J'ai arrêté de jouer après. Salut, 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 Ailey, comment tu vas? Tu vas faire péter la petite... Ah, petite Chantal, ça y est, je ne sais plus parler, ça devient grave. Bon, là, elle est partie enseigner sa gamine. Elle est contente, s'exerce avec lui décidé. Alors... Finir te lire 3 livres, atteindre niveau 3 de la compétence logique. Bon, ça devrait aller. Je crois qu'il faut remettre la logique à 10 en score dans cette aspiration, ça me gave. C'est très long en plus. Qu'est-ce qu'elle danse? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Cette micro-douche m'a fait grand bien, je me sens bien mieux. Alors, visage content, t'es rafraîchi. T'as bien raison. Tu vas crier des mots interdits et ta mère, elle va venir te gueuler dessus à chaque fois. Parce qu'on avait remarqué que ça faisait... Oh putain, regardez-moi cette tête. Ce profil, je suis désolée si vous avez le même profil, mais là, après on peut rien y faire dans la vie, mais... On dirait une vieille en plus, on dirait une vieille rabougrie. Comme ça, elle va la corriger directement, discipliner, punir, enfin non pas punir, ferme, voilà. Et ça augmente de ouf l'éducation. On est à 89 et ça va monter. Et on est à 95. Et du coup, bah, on va s'amuser à faire ça pendant au moins une heure, si ça vous dérange pas. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Niveau 8. Ah si ! Tu l'as dit, t'es moins interdit ! Bécasse ! Ça y est, elle commence. Et tu commences, discipliné, ferme, dire de ne pas. Allez. Non, je. Eh, il fallait pas me montrer parce que moi j'aurais fait ça de manière normale. Vous, vous avez voulu me montrer comme quoi ça allait beaucoup plus vite comme ça. Et ben moi je vais le faire. Je suis désolée, vous allez vous faire chier. Mais au moins. Faire un câlin pour dissuader, je suis pas sûre que ça fonctionne encore. Hein. Si? Oh, le câlin! Non. Tu vas recréer des mots interdits parce que t'es une thug. Et on va rééduquer derrière, discipliner. On va faire ferme et montrer sa déception. Vas-y, Nunu! Non, on va pas faire que ça pendant le live. Hein. Je vous tiens au courant, je vous dis tout, mais enfin, je vous rassure. Oh là là, je ne sais plus parler. Tu vas redire ça. Voilà. Mais ça m'en ressemble bien. C'est facile. C'est pas compliqué. Sévère. Tu vas hurler dessus un coup. Et tu vas encore une fois refaire des mots interdits. Ah, je suis une coquine. Ah là là. Mais regardez, ça monte trop bien, c'est trop facile. Allez, on va faire jusqu'à 8,5. Après, j'essaierai de... Voilà, on essaiera de faire au mieux après. Hein, quand même. Puis de temps en temps, on fera un petit mot interdit sur les deux autres aussi, ça ira plus vite. Hein. Allez, 38. Meurs de chaud, mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? Mais pourquoi tu meurs de chaud à l'intérieur, toi? C'est la canicule, ah bah ils ont chaud. Bah méconnu, je sais pas, fais quelque chose. C'est pas comme les maths, moi. Charlie, est-ce que je peux dire prout et mes célèbres smiley? Il faut que YouTube voie ce miracle de la technologie. Ah si, si tu veux. Il faut qu'il répare quelque chose. Mais pour réparer, il faut que ce soit cassé. Allez, tu vas prendre une douche, 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 tu vas prendre une douche. J'ai l'impression d'être Chantal quand je dis ça. Tu vas prendre une douche, prendre une douche, prendre une douche. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas demander conseil? Tu vas recrier des mots interdits? Ouais, je sais, j'ai un gameplay exceptionnel aujourd'hui. Hein. Et toi, tu vas la discipliner. Éducation, discipliner, calme. Demander. J'attends d'avoir à 8,5 à 50%. Voilà, encore une petite dernière fois et je vous laisse tranquille pour maintenant. On y reviendra plus tard. Allez, elle va hurler dessus pour le coup.
Prendre une douche, prendre une douche, prendre une douche, prendre une douche, prendre une douche. Prendre une douche. Et voilà, on est arrivé à 8,51. Donc voilà. Je suis contente, visage contente, comme dirait Chantal. Écoute-toi, on va chanter un coup. De toute façon, on est déjà au max en chant, mais on est au max en fitness. Il n'y a que l'éducation qui me manque, hein, donc c'est pour ça. Bon, juste, tu peux, hein, mon soldat, pas de soucis. Hein. Le moment, c'est quand il y a les bébés dans le foyer, tu les nourris, tu leur parles, tu vas au level 7-8 direct. Ah, mais il n'y a plus de bébés. Elle a rencontré Arthur. Arthur, il a l'air d'avoir les yeux marrons. Salut, Escargot. Donc, tu es qui? Si tu as dû changer de compte, qui es-tu maintenant? Est-ce que tu es Oscar... Ah oui, t'es Oscar. Oscar, Oscargo. Mais c'est marrant, Oscargo, j'aime bien. Comment ça, on va se faire taper après le live? Les proutes pour chanter. Ah ouais, non, un petit peu, mais pas trop non plus. Bon, Mini, t'arrêtes le harcèlement? Je t'ai déjà demandé, en fait. Prout, 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 prout. Lavantelle, suçant. Lavantelle, suçant. Lavantelle, suçant. Lavantelle, suçant. Prout, prout. Regardez-moi ce miracle YouTube. Suçant. Lavantelle, suçant. Lavantelle, suçant. Ellie, franchement, c'est abusé. Je suis désolée. Tu vas pas prout, 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 prout. Hélène? Elles ont une Hélène? C'est pas mal Hélène, je le sais. Oh, pardon. Pourquoi tu penses à des couches, toi? T'as envie de te faire dessus? Ah, on va pouvoir rééduquer nos gamines. Toi, tu vas aller aux toilettes. Excusez-moi. Qui c'est Hélène? Elle est où? Oh, c'est une brune. Ah non, c'est une brune, elle peut pas s'appeler Hélène. Puis elle fait la gueule. Pampan cucu la petite sirène. J'avoue. Hein, la petite sirène, elle s'est devenue une thug entre temps, tu sais. Non, c'est pas ça. Maria elle est pas là, elle prépare sa quichnia. Oh, Maria elle est jamais là. Toi, t'es pas encore contente comme d'habitude. Bon, n'hésitez pas non plus à me préparer des foyers de jeunes hommes beaux gosses, adolescents. Qui pourrait convenir à Lila ou Lavande, hein? Et pas les yeux marrons, parce que je les prendrai pas. Voilà. Ça a l'air fun cette gamine. Oh! Regardez qui s'assoit en face de sa maman. Maman, tu vas pouvoir éduquer ta fille. C'est génial. Oups, oubliez ce que j'ai dit. Marie, ne me tape pas, s'il te plaît. Quoi, elle est là? Ah, pour moi, c'est toi qui as dit mon cucu. Alors, récré solitaire. Révolution de conflit. C'est pas grave, contrôle des émotions, ils iront courir après. Quand tu veux, Janine, hein, pour éduquer. Mais toi, je t'ai... Ah oui, c'est, je lui ai demandé de se... Mais putain de débile qui boit son eau, là. Va te redoucher. Il en pue, là. Il fait 40 degrés. C'est la canicule. Je suis sûre qu'elles vont être rondelettes aussi, les filles. J'en suis sûre. Allez, maman. Tu fais ton l'éducation de tes gosses. Oui. Ça monte. Salut, la Miss Vernie. Comment tu vas? C'est bien. Allez. Oh, je vous dis, aujourd'hui, on tape le 10 dans l'éducation, là. Il faut que ça avance, là. Ouais, c'est bon, t'excites pas. Oh! Elle a toujours des ins de folie, mais je trouve qu'elle a perdu un petit peu... Comment elle s'appelle, Japrune? Je passais à juste spammer un peu, je rentre à maison. Bisous et bonne soirée à tous. Pas de soucis, Ellie, à bientôt. C'est qui l'héritier de la génération? Bah, je sais pas.
J'attends de voir, on attend tous de voir comment les jumelles vont grandir, parce que là, nous, on se base un peu sur le physique, hein, enfin un peu. En vrai, non. Parce qu'on a eu Coquelicot et Bordeaux, qui étaient la génération rouge, parce que donc on les a fait se battre l'un contre l'autre, c'est Bordeaux qui a gagné. Il n'a eu qu'un seul enfant, donc au niveau du choix, on n'a pas pu aller plus loin, c'était Pulco. Pulco a eu 3 filles, Perle, Nuage et Mini. Et là, on a décidé de faire une compétition sportive en 3 manches, et c'est Nuage qui a gagné. Et là, ben, on se pose la question, parce qu'on n'est pas passé par les votes classiques au niveau d'une autre Sobéry, jamais. Donc peut-être que cette fois, on le fera, je sais pas. En tout cas, j'attends de voir leur tête, parce que s'il y en a qu'une qui est belle... prendra celle-là. Et merci Jojo pour le follow, bienvenue à toi. J'ai pas vu, mais tu m'as rejeté la faute. Ah. Meurs de chaud. Mais vous me cassez les pieds. Mais pourquoi tu vas dormir toi aussi? Mais t'es un peu débile aussi. Vous pouvez pas mettre vos fringues d'été, non? Pourquoi c'est à moi de vous dire de mettre vos fringues d'été? Vous êtes toujours en train de vous foutre à poil, mais... Oh! Il y a une douche qui est cassée! Au lieu de faire le gogol, là, viens réparer. Merveilleux! C'est toi qui as cassé la douche? C'est bien, Prune. Ah, maman. Mais je viens de la changer. Mais arrête de dormir, idiote! C'est pas vrai! Débile. Alors, pardon, je suis énervée. Tu peux faire l'éducation à ta grande? Je pense pas. Obligée à faire pipi, à jouer, à mettre la table. Nettoyer les flaques. Développer des... À faire de l'exercice. Vas-y, t'es trop grosse, ma fille. Ah, je suis horrible. Mais non, mais c'est de l'éducation. Encourager le comportement récent. Les bonnes notes. Oui, encourage les bonnes notes. Apprendre à dire pardon. Oh, il fallait pas te mettre à côté de ta mère. Hein. Elle va te faire la morale. Mais tu vas pas dormir problèmes mentaux, ces gosses, hein. C'est pas fini. Non, mais déjà, mais qu'est-ce qu'ils ont? Changer de tenue. Vous allez voir toutes les tenues de la prune, hein. Ça s'est fait un peu galère pour l'habiller, quand même. Ah bah, ah, j'avais oublié qu'on a mis les petites chaussettes. Magnifique. Mais tu vas chanter? Vas-y, chante Weekend Festif. C'est bon. Elle va être éduquée à fond, cette gosse. Tu pourras faire tes devoirs après. On va arriver, hein. Allez, 8,75. Ça va, c'est l'heure où je te regarde d'une main tout en endormant ma fille de l'autre. J'ai eu peur. Je préfère ça encore. Bon, oh, tant mieux alors. Céline Dubois, je ne sais pas qui tu es. Tu peux pas éduquer les enfants des autres. Donc lui, il a fait ce qu'il fallait pour le boulot. Bricolage niveau 3 et compétences robotiques. Non mais laisse ta fille tranquille, tu sais. Tu vas aller bidouiller. Bidouiller quelque chose. Le talent n'est pas génétique. J'ai eu peur aussi. Bon, ça va, je suis pas toute seule à être tordue en fait. Bon, c'est bon? Au top? Au top la gamine? Qu'est-ce que tu lui fais maintenant? Apprendre à s'il vous plaît, merci. Ouais. Après, on va faire les devoirs. Ouais, va te doucher, toi. Et va aux toilettes en attendant. La pauvre Lila. Ah mais comme ça, maman, elle travaille son éducation. Regardez, on va déjà arriver au niveau 9. C'est bien. Monde de cochon. Mais juste un peu. Allez, on va se contrôler les émotions. Ouais, les manières, ça. Elle est plus bien élevée, c'est pas grave, on va la remettre sur les rails. Ah bah ça y est.
Mais ils se sont dit, on va tout casser, nous, les gosses. Mais il m'énerve à être... Putain, mais j'en ai marre. Je l'avais fait changer, il se rechange pas. Il me saoule aussi. Non, pas aller courir, putain. C'est là. Vas-y. Tu me saoules. Bah, tu refais. Bidouiller, voilà. Elle est bien élevée. C'est merveilleux. C'est bon ? Elle aussi. Eh, ça me saoule, hein. Les tenues, là, je vais passer mon temps à les faire... Bah voilà, elle est bien élevée, elle, maintenant. Comme ça. C'est facile. Elle va pas la lâcher. Elle en a marre. Mais maman, arrête, tu me lâches ou pas, là ? Je dois manger, je suis fatiguée, je dois me divertir, je dois faire mes devoirs. Non, tu vas pas faire tes devoirs tout de suite, j'avoue. Tu vas aller manger un truc avant. Par contre, ta sœur, qu'est-ce qu'elle va chercher, ta sœur, là ? Arrête ! Oh ! T'es relou. C'est pas ton père qu'il faut demander des trucs, c'est à ta mère, hein. Bah, c'est bien, tu vas venir t'asseoir là, tu vas faire... Ouais, bien sûr, tu vas pas t'asseoir là, tu vas t'asseoir là. Oh, Doudou, c'est maintenant que tu demandes à manger. Tu t'es dit, j'étais en train de dormir toute la journée et maintenant je demande à manger parce que j'ai envie de faire chez mon monde. Hein ? Pauvre petit loulou. Bon, ça va, elles ont pas la même robe. Enfin, juste la même forme, mais pas la même. Bon, tu glandes quoi, toi ? Oh, gna, j'ai chaud. Mais qu'est-ce qui me casse les burnes ? Oh là là. Je t'en fais. Eh, hey, change-toi, tu m'énerves. C'est bon là, on y arrive. Oui, viens ici. Tu vas aider ta gamine à faire ses devoirs, voilà. Toi, pendant ce temps-là, t'as mangé. Tu vas aller regarder la téloche. La télé, voilà. Pour te divertir. Et après, tu feras tes devoirs. Ne pleurez plus, mes enfants. Votre Cyanène adorée est de retour. Ah, quand même. Bon app, Guillaume. Moi-même, j'ai pensé en me relisant. Bon, bah voilà, comme ça, moi, personne n'est cochon. Personne ne fait de la cochonnade. C'est vrai qu'elle a des seins quand même assez incroyables. Hein. Ils tiennent bien, hein, les siens. Ils ont de la chance. C'est du sport. En même temps. C'est tout ? Allez, hop, on va passer à Lila. Lila, c'est fini, tu vas passer à la casserole. Votre modo préféré aussi, ma quiche, est au four. Oh. Quoi, tu utilises son four par cette chaleur ? OMG ! Alors, toi, tu peux être pioté. Toi d'ailleurs, t'as rien glandé non plus, mince. Ah bah si, bah tu vas manger, tu vas te péter. Et demain tu vas au lycée, cocotte. Nananaire. Et lui, quand il aura fini de bidouiller, il ira réparer la douche. Elle est à fond là. Nunu, on est à fond pour sa compétence. Regardez, on va arriver au niveau 10, au niveau 9, pardon. Salut Nami, comment tu vas? Il s'est passé quoi depuis le début du live? Gros, j'ai raconté ma vie. Et puis là, on a juste passé une journée dans les Sims, là. J'ai peint. Prout. Et puis voilà, ils se sont amusés avec Chanchan. On a fait beaucoup de... Prune a dit énormément de mots dégueulasses pour que sa mère puisse l'éducationner derrière. Et on est à fond, là. Dans l'éducation, aujourd'hui, on finit l'éducation, c'est comme ça. Tu peux dire une saleté? Vas-y. Arrête, écoute pas la musique. Dis des grossièretés. Voilà, super. Oh, tu me plais, petite. Continue de dire des grossièretés. Moi, ça me fait... Ah, ça me fait des choses. Voilà. Merci, ma petite Lila. Tu vas crier des mots interdits. Non, mais un petit peu. J'ai quand même joué à la manière normale, hein, quand même. Elle peut toujours lui apprendre ça, mais elle lui a pas déjà appris. Je comprends rien. Comme ça, pouf, on est déjà au niveau 9.
Yes, niveau 9 d'éducation. Tic tac tac. Allez, juste. Juste un petit peu en plus. Ne t'inquiétez pas, je la jouerai à la normale presque. Vas-y, tu vas y rouler dessus. Moi j'aime bien quand elle est sur le dessus. Voilà. Eh, tu peux être couché. T'as été mignonne, tu t'es pris plein de morale dans la tronche. Et lui. Ça t'ira manger après. Toi, tu peux aller aux toilettes. C'est bien, ma Nunu, c'est bien. Niveau 9 d'éducation. Je vous dis, aujourd'hui, on torche tout. Hein. Si je pouvais finir. Mais ça m'étonnerait, on n'arrivera pas à faire Mais mange. Manger repas au micro-ondes. OMG, j'ai mis du pchipchi anti-moustique à ma fille. Quelle horreur, ça me file la gerbe. Ah oui. Mais on n'a pas de micro-ondes, comment il a pu se faire un repas au micro-ondes? Oui, c'est l'anniversaire des filles. Bientôt. On va devenir adolescente. On va bien voir à quoi elle ressemble. Pardon. Ah, Marie est pas là. Nunu et Pruny ont la même robe. La même robe, mais pas la même couleur. Parce que elle est en fond gris. Fleur jaune, en même temps c'est en honneur à son daddy. Et Prune, elle avait les fleurs violettes. Oh, et fond blanc, je sais plus. Ma Titi, c'était quoi la couleur? Cette tête qui fait. Et Jane. Mais c'est type aujourd'hui que les jumelles grandissent. Si, elles vont grandir aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre. Elle a pété. Dans notre jeu. Non, mais c'est bon, Jacqueline, là, tu vas te calmer. Si tu veux, tu danses. Vas-y, danse. Puis après, vous allez vous coucher. Hein. 23h, vous n'êtes pas encore des vieux, hein, par contre, hein, j'avoue. Quelle sexitude. Magnifique. Nuage. Comment ça, ce pchit, c'est modéré. C'est le pchit qui était... Non, parce que c'est même pas parce qu'il est écrit pchit, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le nom d'une drogue. Alors, elle. Cette connasse, elle a juste fait une sieste. Et elle me casse les burnes. Voilà. Va te coucher ! Saleté ! Bon, alors. Non, mais c'est bon. Toi aussi, ça va aller. Vous allez vous pioter, là, les darons, là. Hop. Tout le monde au lit. Ça suffit comme ça. Nuage, je compte sur toi. Demain, tu bosses. Demain, t'as une promotion. Demain, on est niveau 9 de la carrière. Quand même, athlète professionnel. Cool, Raoul. Il y a des pastilles à citronnelle à coller sur les habits ou autour du lit. Moi aussi, j'utilise le pchit parce que j'ai eu la mauvaise surprise quand je regardais ma petite tablette. Que j'ai eu un... Ah, putain. Mais je dois me faire piquer quand même de temps en temps, donc c'est pas forcément agréable. Attendez, je réponds à un texto. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Alice Good! Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Tu imites bien le moustique. Ah oui. J'ai un bel organe pour imiter les bestioles. Parce que peut-être que j'en suis une aussi. C'était pour que vous appréciez un peu la bouille de notre première nez. Et ce profil, évidemment, parce que la chose la plus belle chez elle, c'est son profil. Ah oui, non,
mais elle a du volume, hein. Mais parce qu'elle est rondelette aussi, elle, un peu de... wow. Elle a du surpoids, mais elle a des ins, laisse tomber. Et ça va, avec les Sims, c'est toujours pas... Enfin, après, dans la vraie vie aussi, hein, après, il y en a qui... Selon les cas. Moi, je sais qu'en prenant du poids, j'ai pris aussi des seins. Alors non, tu vas pas faire le ménage. Je t'ai dit non. Si t'es fatigué, t'iras courir. Enfin, si tu t'ennuies, t'iras courir. D'ailleurs, je vais déjà te dire d'aller courir. Pour te vider l'esprit. Ça te fera les pieds à te lever à 4h du matin. Et après, faire... Oui, je suis fatiguée, je veux pas aller à l'école. Et en plus, elle a pété les chiottes. Après, elle a des belles choses. Je dirais même que les pchis sont ignivomes. Visage tirant la langue. Ça, vous savez pas à quel point j'ai chialé hein, pour prendre ce petit extrait de merde là. Enfin de merde. Ça a été difficile. Hein. Je me suis perdue dans des extraits de Game of Thrones. J'ai chialé. Hein, j'ai souffert. Hein. Putain, j'ai dit non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas revoir cette série. Pas pour l'instant. C'est pas possible. C'était très dur. Horrible quand tu entends le moustique tout près de ton oreille quand tu lis que tu ne... Tu te relèves à 2h du mat pour lui faire sa fête. Mais sinon j'en ai parce que j'ai pris du poids, mais quand même. Oui, non, mais après, non, mais voilà, c'est ça. Après, il y a des morphologies qui vont prendre plus d'un côté, plus d'un endroit ou d'autre. Moi, je sais que j'ai pris de partout, en fait. C'est pour ça que les gens ils font ah bon, mais c'est pas possible, t'as pas pu prendre autant de poids. Je fais, ah si, mais j'en ai pris partout. Mais les bras, le dos, les fesses, les seins, la gueule, tout, les cuisses, les fesses, enfin, oui, le ventre. Alors le ventre, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là. J'ai dit, non, maintenant j'en ai marre. Voilà, je suis rentrée. À qui tu veux parler, là? C'est qui? C'est un beau mec, en plus. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son métier? Il est où? Tu vas te faire harceler? Attendez, qu'est-ce que c'est, ça? Meriadoc. Bah non, c'est pas lui. C'est qui, ce brun, là, qui veut te parler? Excusez-moi, il a pas l'air trop dégueulasse d'où là où je suis. Où êtes-vous, monsieur? Parce que à quelle heure du matin, 6h30 du mat, tu m'étonnes qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui traîne dans les rues, là. C'est pas la guinguette comme ça, là? Non, c'est pas ouvert. Là. Bah non, c'est du camp. Là, il y a qui? Ah, c'est elle, d'accord. Mais écoutez, elle a vu quelqu'un que moi je ne vois pas. On va surveiller, hein, mais. Où il est ce monsieur? Qui? Jeune homme! Qui? Connor Donahue? Oui! Papa! Bah ça va, elle s'emmerde pas. Bon, il a les yeux marrons, donc c'est parfait pour elle. Hein. On pourrait la caser avec lui si monsieur est d'accord. Bon, il est adulte. Qu'est-ce que... Ouais, il est déjà pris. Il a déjà deux gosses. Bon bah non, ça fait bizarre, c'est un monsieur qui est un peu pédo sur les bords, hein, j'ai envie de dire. Eh hop! Non mais arrête de danser, Nyonar! Ah oui, c'est vrai qu'il... Normalement, je crois qu'il faut... Il faut qu'ils aient la danse à fond. T'ira danser après. Ah ouais, va bouffer. Ouais, toi, tu vas... Ah, je vous jure, hein. Viens danser. Sous le sunlight des tropiques, l'amour se raconte en musique. Il n'y a rien à faire qu'à s'aimer. Prends-moi la main, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça fait quelque chose de magique. Pardon.
Non, c'était pas Meriadoc, c'était un autre gars. Parce que j'ai pris du poids, mais quand même, je cuisse avec les bras. Pas de soucis, Elvana. Pas mal l'animal, bah oui. Hein. Ils ont pas la même coiffure. Non, non, c'était pas Meriadoc. Non, parce que sinon, j'aurais su. J'aurais calculé que c'était lui, mais c'était pour lui. Alors, cocotte. Non. Tu vas me prendre une petite douche toto, Nini. Et pipiter. Toi, elle va manger. Elle va en cours. Et puis, bah, l'autre, elle aura pas le temps d'aller pistouiller. Putain, mais laisse ça! Qu'est-ce que tu fais avec tes assiettes, là? Oh, elle va les déposer sur la table du salon parce que c'est tellement plus fun d'aller à 3000 km. Oh la vache! Les votes sont ouverts du quartier! Super! On va les remplacer parce qu'on n'a pas le temps et tu vas épicer. Non, 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 oui! Non, va pisser avant parce que ça va être l'enfer après. Bah, c'est lui qui danse maintenant. En slip. Tu m'étonnes que sa fille elle se soit barrée. Non, il est musclé, hein, mais. Il est un peu épais. Tu travailles aujourd'hui? Ouais. Niveau 6 de la robotique et 3 du bricolage. Va faire un peu de bricolage. Bonsoir tout le monde. Petit coucou rapide en ce moment, c'est la folie. J'ai pas le temps de rester sur les lives. Pleurer, pleurer, pleurer. Visage qui pleure. Je suis désolée de vous forcer compagnie. J'espère que je pourrai bientôt rester sur les lives. Gros bisous à tous. Vous me manquez. Je t'aime, ma Shirley. Bon livre. Voilà. Chantal, il y avait trop pour Chantal. Il manquait que deux mots. Des bisous, Tatou. Merci d'avoir passé quand même. Des gros bisous à toi. Et puis, bah, écoute. À bientôt. J'espère que tu reviendras, effectivement. Tu nous manques. Bisous sur tes fesses, tatouage en 21 boules. J'ai compris, tatouage. Comment ça, tatouage sur les... Il y a un tatouage sur les fesses? Eh, c'est vrai, j'ai cliqué sur l'ordinateur. Plus rien ne va, mon petit chat qui a faim. Mon ordi lag, oui, bah comme... ouais. Voilà. Foyer. Alors, parce que je voulais qu'elle regarde... Non, plus de choix. Discuter. Non. Web. Forum sur l'éducation. Un petit kikette, toi. Alors, vous allez vous faire des amis parce qu'il y a besoin. Les filles, quant à elles, les jumelles... vieillissent dans un jour. On va faire une sacrée Noomba, je vous le dis, moi. Bisous, Tatounette. Tatounette. Du coup, pour décider de l'héritière, on peut leur faire jouer aux échecs puisqu'elles sont des sans génie. Ah oui, on pourrait faire un concours en 3 rounds. Ouais, j'ai peur. J'ai peur que ça élise encore une que j'aime pas. Après, on préférait Mini, mais au final, moi, je suis contente de Nuage. Je trouve que Minnie, elle a une drôle de tête, en fait, quand tu la revois, quand elle passe à la maison. Tiens, tu vas partir au boulot. 920 Simflouz. On est à quel niveau, lui? 6. Pardon. Yes, niveau 3 de bricolage, il manquera que le niveau 6. En compétences robotiques. Autant qu'à faire, je lui fais augmenter... faire de son. Si est-il vrai qu'on aura pu se taper la perlouse. Ouais. Vous avez vu la gueule qu'elle a fait avec son premier sa fille, c'est pas terrible. Hein. Mais non, parce qu'on aurait choisi quelqu'un de beau en face. Pardon. Des ados. Mais oui. La perlouse. Eh, quand elle a grandi, on l'a trouvée mignonne. Hein. Ça va. Hein. On n'a pas craché dans la soupe. Hein. C'est bon, t'as augmenté ton éducation? Non, elle est pas contente. Pourquoi à chaque fois qu'ils regardent un truc sur l'éducation, sur Internet, ils sont dans l'embarras, en fait? J'ai jamais eu un seul Sims qui s'est dit « Oh, bah, super, moi, je suis une super parent, quoi. » Ah.
à étudier les adversaires, alors, même si on s'en fout. Elle travaille dans 4 heures à 14 heures, on a le temps. Je sais qu'elle n'a pas besoin d'étudier les adversaires, mais... Là, on a rencontré Stéphane. Il n'a pas l'air très beau. Touk, 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 touk. Il est parti bosser. Le travail est dur. Ulure comme fer, hein? Ouais, on s'en fout. On a fait une fois, on refera pas deux pour les dues, pour la... Quand même. Amandine! Beaucoup trop d'Amandine à mon goût dans ce jeu. Mini et casse-noisette. Ouais, un petit peu, oui. Non, mais on le fait juste entre les jumelles. Tu l'as dit toi-même, Prune ne sera pas l'héritière. Ah non, mais c'était sûr, hein. Moi, je... Quand on vote d'un truc, je... Enfin... Pour décider entre l'héritière, pour moi, c'est entre les jumelles. Hein. Je suis toute raplapla ce soir à cause du boulot alors que j'ai eu des vacances, ce scandale. Scandale. Oui, Chantal, t'as raison. Je vais péter un câble, mon c'est de la merde. Oh, mais non, faut pédaler plus vite, Liane. Ouais, elle travaille à 14h. Hein. Rencontrer Sarah. Adam, les chiens. Et punaise, Mini. C'est bon, t'as fini? Ah, la femme de ménage est là. Elle va nous prendre une promotion aujourd'hui, hein, cocotte. Hein? Hein, nuage? Ah, il est que midi. Ah ouais, mais si elle peut pas faire les trucs sur l'éducation tout le temps, là, pour le coup, on est un peu dans le caca parce qu'on n'a pas les... Voilà, enfin, c'est soit son boulot, soit l'éducation. Et ben... Si, elle peut. Vas-y. Regarde les trucs sur l'éducation, je t'ai dit. Vas-y. Oh, j'ai chaud. Gna 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 gna. Et ça va pas, et ça va pas. La la li la la la. Ça va pas, et ça va pas. Na, na, ni, na, na, na. Au fait, demain, le monsieur de Soche vient installer ma ligne adieu, la box 4G. Moi, le World Wide Web sans limitation. C'est bien. Je suis contente. Visage content. Il a planté le con. Bah si tu le traites, il va parler mieux, hein. Et hop là, elle se change. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Les humeurs, je vous jure. 14h dans 2h. Dans 1 heure, quoi. Elle travaille dans 1 heure. Qu'est-ce que tu vas faire pendant une heure, ma cocotte? Allez, tu vas... Ah, tu vas écouter intensément parce que t'aimes la musique. Voilà, elle est en colère. Se détendre avec de la musique classique. Tout. Voilà, ça va mieux? Non, tu vas pas faire de sport, tu veux. Je sens qu'elle va être en colère au boulot. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et mon soldat. La fatigue, écrire demain au lieu de demain. C'est pas grave. Un peu de compassion pour les Sims et la chaleur, je comprends, je suis en train de crever. Oh. C'est bon, elle a plus de trucs de colère. Eh, tu peux t'étirer si tu veux. Et voilà, elle va aller bosser. Prout, prout, prout. Lave-t-elle, suçon, cœur bleu. Et on va la faire travailler dur, même lécher les bottes du patron. Et c'est une promotion. Lila a rencontré Claire. Attendez, ils ont rencontré trop de monde là. David et Claire. Bah oui, ok. Donc Claire, responsabilité. Oh, les jumelles ont eu un... Oh, et franchement, j'ai rien fait pour. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Gnagna, c'est ça. Gnagna, je suis pas contente. Gnagna. Et elle pense encore aux couches. Tiens. Un enfant, il s'appelle Tyrion. Mais ça me fait tellement triper parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient de la galerie et que c'est vous qui me l'avez fait, je les reconnais. Hein. Ils ont des noms qui me parlent, on va dire. Mais on a un enfant qui fait encore la gueule. Oh, des beaux yeux bleus. Les beaux yeux bleus, on garde. Et le chien, lui, est triste.
Non, non, pas taquiner à propos du visage, non, je pense pas. Non. Ah, ça, je l'avais vu venir. Lui, il s'ennuie. Tu m'énerves, toi aussi. Hein. Discute avec les collègues. Elle. Niveau 9. Niveau 9. Les beaux yeux. Mais oui, go les faire vieillir. Mais pas encore. Eh, c'est encore dans un jour, hein, c'est pas maintenant. Hein. Puis on fera l'anniversaire avec les parents quand même. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire là alors? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans les chambres? Invitez David. Vas-y, invite-le à jouer. Et Claire. Claire quoi? Damon. Tu vas te présenter. Tu peux l'inviter à. Ou pas. Ah là là, je suis triste. Non mais tu peux. Ouais, tu peux aller jouer. Hein. Jouer avec lui. Ah, parce que t'as pas. Tu le connais pas. C'est trop long, on peut s'excuser. Qu'est-ce que t'as été faire, toi, la vende? Qu'est-ce que t'as été dire comme connerie? Fais voir quelle tête pouille tu as, toi. Bon, c'est pas pour nous, hein, mais. Elle est mignonne, mais c'est quoi cette couleur d'yeux, là? Ah non, je valide pas ça. C'est l'extrême limite, hein. C'est marron clair, ça. C'est la limite de la limite. Et comme dirait Juju, j'ai dépassé les limites. Je veux les voir vieilles. Mais pourquoi vieilles? Bah, elles seront pas vieilles, hein. Elles vont passer par l'adolescence, jeune adulte, adulte, puis après personnes âgées. Un BG en ligne de mire. C'est pour ça, là, on va parler un petit peu, on va voir. Impossible fournisseur d'enfants. Chaud. Par contre, elle s'entend pas du tout la vente avec lui. Essaye de réconforter. Vas-y, sois sympa avec lui. Ah, il est fou. Ah, remarquez, Alexandra, ça passe. Hein. Elle est pas. Voilà, elle est aussi folle et pourtant ça va. Hein. C'est pas. Oh, bichette. Qu'est-ce qu'elle a encore dit comme connerie? Mais ils arrivent pas à s'entendre, hein. Ah, Adonis est rentré. Et elle fait j'ai chaud. 920 simflous quand même. Tu sais ce que tu veux faire, Jean-Claude? Tu vas me faire à manger, servir le dîner. Fish and chips. Mm. Bon, toi, je pense que t'as autre chose à foutre que d'aller sur l'ordi. Ah, j'aurais bien fait les devoirs, mais je vais attendre qu'elle rentre. Maman. Maman Nunu. Maman Nunu, qui a toujours son promotion. Pour l'instant, il nous reste 3 heures, moins de 3 heures. Qu'elle arrive au niveau 9 de la... Bref. T'as compris. Ah, c'est remonté dans le verre. En fait, quand je suis là, ça marche pas. Regardez les jumelles qui sont en train de se battre pour se prendre les faveurs d'un garçon, quoi. Oh, il a un profil qui donne pas envie, hein. On dirait votre sœur. Oh, ouais, il est pas terrible de profil. On verra bien. Imprévisible. Super. Ouais, elle s'en fout, rien, elle part. Oh là là, ça va pas bien, toi. Hein. T'es pas bien. Hein. Vas-y, va regarder la télé. Joue en ligne, ouais, frénésie des fêtes. Ah bah, avec. Avec Yann et Mini. Allez. Avec Yann et Mini. Mais toi, je suis oubliée pendant que t'es là. Tu peux aller courir. Salut Mel, comment tu vas? Dans un jour Sims, exactement. J'ai découvert il y a pas longtemps que les Sims avaient sorti un truc médiéval, c'était bien. Les Sims médiéval? Mais j'ai un let's play sur ma chaîne qui n'avait pas un grand succès. Hein.
En même temps, à l'époque, moi-même, je n'avais pas un très grand succès. Parce que ce jeu, je l'avais acheté il y a longtemps, à la sortie. Et j'avais été frustrée parce qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait comme dans les Sims actuels, tu vois, on avait toujours des missions et tout. Et finalement, j'ai rejoué avec en faisant les missions et je me suis quand même bien marrée. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'ils en refassent un, en fait. Non mais vieille dans le sens ado, je sais, j'ai compris. Une princesse, c'est se faire attendre. Et puis, je m'étais dit que je referais bien quelques petits lives sur les Sims médiévales, si ça vous intéressait, mais c'est vrai qu'on a... J'ai pas eu le temps de remettre ça sur le tapis. Entre-temps. Mais alors, Jean-Claude? Oh, t'es tendu, hein. Oh, ça va pas. Tu peux les bouffer, s'il te plaît? Non, tu fais pas la vaisselle. Tu peux aller faire tout le reste. En attendant que votre mère rentre, que vous fassiez vos devoirs après. Après, c'est pas grave, hein, génération prune. Ouais, on s'en fout. Mais qu'elle fasse du sport beaucoup, que ce soit l'une ou l'autre. Parce qu'il faudra beaucoup de compétences à assez haut niveau dans la génération prune. Donc, ça me dit un live médiéval. Bah oui, je sais. Mais faudrait que je reprenne. En fait, c'était bizarre comme principe parce que j'étais arrivée à un moment donné où ça me soumet un peu. Et on peut changer en fait. À un moment donné, quand on commence une partie, on a comme une roue. Et je m'étais dit que j'allais recommencer. Mais en fait, je recommençais exactement les mêmes missions. Donc c'était un peu. Go vers du Sims médiéval. Ouais, pas tout de suite. Hein. Un jour. Elle va courir. Regarde si maman. Ah, maman, ça va. Dans 50 minutes, Nunu! Qui c'est qui? Ah, c'est lui qui râle. Je savais pas que t'as une voix aussi grave, mon petit. Elle se casse et du bâton, s'il me gueule à côté. Moi, je me bats. Hein. Nunu, la promo! Nunu, la promo! Nunu! 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 Salut Frine Sacha, salut Rocky, comment vous allez? Nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! J'essaye d'enjailler la foule. Hein. Ça arrive à tout le monde de perdre une partie de temps en temps. Adonis a malheureusement perdu cette fois. Bon, on s'en fout. Au moment qu'il joue, qu'il est content. Un petit pipi, une petite douche. J'ai cru qu'elle est... Non, elle court en tongs. Le truc le plus horrible, parce que si tu glisses avec tes pieds et que ça te sectionne d'entre les orteils, c'est assez hard. Nu, nu! Nu, nu! 10 minutes! 10 minutes! Bah, qu'est-ce que je fais? Je joue? Ah! C'est question. Et je suis en train de dire à Nunu de rentrer et d'avoir sa promotion. Oh oui! J'ai eu peur, parce que j'avais pas. Je pense que ça aurait été une autre musique. Oui, Nunu, au niveau 10! 9! Je m'avance. Au niveau 9 de la carrière! Nunu clap clap, Nunu clap clap, Nunu clap clap, Nunu clap clap. GG Nunu, la plus sportive des. GG Nunu. Eh, regarde comment elle est belle. Est-ce qu'elle va péter, à votre avis? Est-ce que Nunu va nous péter dessus? Voilà, mal au crâne. Bravo, Nunu! T'es la beste! Tu vas aller pisser, vas-y. Ah, je suis contente. Visage content. Oh, regarde, elle court. Oh, maman! Voilà. Brava, Nunu. Ben oui! C'est vachement mal payé cette carrière. Ah bah non, parce que là, elle va toucher 112 simflouz de plus par heure. On est à 242 simflouz de l'heure. Trouve-moi un boulot dans la vraie vie qui paye à 240 euros par heure. Moi, je le prends tout de suite. Hein. S'il faut, je me prostitue. Je me prostitue même. Qu'est-ce que... va éduquer ta gosse. Ah, tu vas là, tu vas frimer en montrant tes muscles. Noobie.
Oh, il a une voix vachement grave, c'est impressionnant. Tu peux faire tes devoirs. Ça, ta mère, elle va t'éduquer. Je la joue à la loyale. Ah ouais, je te fais ça par terre, t'as raison. Vas-y, hop, tu peux faire ça, stop. Vas-y, Nunu, là. Ah, je le sens bien, là. Là, je le sens, là. Si on arrive à faire niveau 10 en éducation aujourd'hui, on est vraiment les bestes des bestes. Regardez-moi tout ce qu'il a, lui. Toi, tu t'as besoin de faire du bidouillage. Allez, hop, va bidouiller. Ça, on va mettre au frigo. Non, si, au frigo, j'ai dit. Oui. Hein? Après, on va s'occuper des filles. Et merci, Géa, je pense, pour le follow. Merci à toi et bienvenue. Mais je compare pas à la vraie vie. Non, mais je sais, mais non, c'est bien payé, tu rigoles. Mais en plus qu'un niveau, on a presque fini la génération grise. Mais oui, on est sur la fin. Et on a bien géré parce qu'elle est vraiment, elle a encore du temps avant de vieillir, quoi. C'est peut-être la génération sur laquelle on a été plus rapide. Tu veux pas dire des gros mots? Pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas dehors? Mais arrête avec ton daron! Mais t'es pas bien dans ta tête, toi aussi! Viens là. Maman, viens là. Non! Oh! Un petit P. Tranquille, comme ça, ça passe. Non, je vais pas du tout tricher. Je sais pas de quoi vous parlez. Oh, puis ça pue. Voilà. Tac, éducation, discipliné, calme. Pas crier. Regardez-moi cette tête. Besoin de s'asseoir. Un petit peu de temps en temps. Ça mange pas de pain. Allez, allez, un petit pour la route. Après, elle va aller faire les devoirs des autres filles, donc s'inquiétez pas. Fallait pas me dire cette technique. Hein. Voilà, hop, éducation, disciplinée, ferme, dire ne pas crier. Bon, tu fais quoi, nuage là? Pourquoi tu tapes tout le tour? Ah, il faut que l'enfant te regarde dans les yeux. Voilà, c'est bien. T'es fatigué maintenant, tu peux aller te coucher. Tu nous as assez servi pour la journée. Les gars... Ah, toi, tu vas pisser... Alors, elle doit pisser sa mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, je vais jouer à l'ordinateur. Tu vas jouer à la poupée. Toi, t'arrêtes avec tes devoirs. Tu attends que ta mère... Tu attends que ta mère, elle vienne. Viens ici. Et après, on bute Nunu pour avoir des points au non-zut. Je confonds avec notre legacy. C'est ça. D'ailleurs, YouTube venait nous rejoindre pour un Livagacy. C'est ça. Eh ben, bientôt, hein, peut-être. Hein. Tu vas pouvoir faire tes devoirs immédiatement, tout de suite. Voilà, maman, elle va t'aider là-dessus. Celui de voir, ça, c'est pas très rapide, quand même. Hein. Elles sont accro à leur père. Mais oui, mais ils sont chiants pour les trucs d'éducation, là, les questions et tout, là, les conseils. C'est toujours sur leur père qu'elles vont voir. Elle est amoureuse de son daron. Oh. C'est horrible de dire ça. Ah oui, c'est le salaire de l'heure, pas par jour. Je suis... Mais oui, c'est par heure. Ils sont hyper bien payés, tu rigoles. Regarde, lui, au niveau 6 de sa carrière, il est déjà payé 900 simflous par jour. C'est énorme. Hein. D'ailleurs, combien il a en... En éducation, il est déjà à 6,5. Alors que j'ai même pas voulu exprès lui faire bosser, quoi. Devoir terminé, ça c'est fait. Toi, ça va être... Alors toi... écoute, joue avec émotion, je m'en branle. Toi, tu vas arrêter de jouer, par contre. Ah oui, elles sont parties se coucher tôt, donc tu vas faire tes devoirs. Et maman, hop. Hop. Oh, je la fais à la régulière, là, quand même, non? J'essaye de... On n'est même pas à 9,5, hein. Il y a encore du boulot, hein. Un bébé, ça fait monter plus vite la compétence. Ouais, mais... Non, parce que si je refais un gosse maintenant, alors que les deux, elles vont devenir ados, ben, ça retarde encore plus pour l'élection de l'héritière, et ça va me faire perdre du temps pour la génération prune. Elle a déjà fini? Ah, ben alors, il va y avoir une petite séance de gros mots, moi, je vous le dis. Ah non, elle a pas fini.
C'est pas grave. Voilà, c'est bien. Petite séance de gros mots. Discipliné, calme. Voilà. Elle va engueuler sa fille. Oh zut, Andy. Et moi, j'ai envie de finir ça aujourd'hui et je vais le finir, moi, je vous le dis. Ah, hop. Éducation, discipliné, sévère, hurler. Après, ce sera à toi. Maman, maman va plus savoir donner de la tête. Hein, ça... Hé hey! Elle a pas été le faire. Oh non, je suis tristesse. Vas-y, gueule sur elle. Ouais. Et l'autre, tu l'as pas gueulé dessus. Discipliné, calme, voilà. Non mais on va pas m'arnaquer, hein. Tabarnak. En vrai, t'as 9,5 là, regardez. Ça va, ça prend 5% à chaque fois. Hein. C'est facile. Quelle obsession avec leur vaisselle. C'est pas facile. Éducation, discipliné. Puis, ouais, non. Non, vu que c'est moi qui dis un peu de que vous fassiez les thugs. Non. C'est possible ça. Non, je triche pas. C'est pas vrai ce que vous dites. Ça fait partie du jeu. Si je trichais, ben, j'aurais mis déjà niveau 10 comme jeu avec le MC Command Center. C'est très facile. Alors, hein, je triche pas. Salut Katnia, comment tu vas? T'es toute mourute. Ah, oh, ma pauvre. Écoute, ici, ça, on se débrouille pas mal. On s'en sort. C'est pas trop galère, ça va. Bon, les gamines, je vais quand même les foutre au lit. Il est 1h du matin. Hop. La plus grande, elle dort. Le mari, il dort. Il n'y a que Nunu. Ah, mais Nunu! Oh, bah, va dormir. Casse les pieds. Je vous rappelle que rentrer dans une phase, c'est... Tant que c'est pas le nounours, ça passe. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Ah, y a pas école. Oh, c'est pas grave. Et les jumelles vont devenir des adolescentes. 0 jours. 0 jours se lève. Donc, samedi, on va faire une grosse fiesta de la mort. Ou pas, parce que Nuage, elle bosse. Donc c'est soit elle clignote avant 15h. Ah, 15h maintenant. Soit... Écoute, fais ta vie. Hein. Laisse ta sœur tranquille. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je suis éreintée. Bah, va prendre ton bain. Dégueulasse. Attends, elle va me refaire le coup de éreintée pendant 10 ans. Vous vous souvenez de la table de massage qui a traîné 10 ans dans la cuisine à cause de Mini qui était éreintée? Pas de soucis, mon soldat. Tu te souviens du Sims que j'ai mis pour le Lord and Lady? Je l'aime trop, il est trop mims. Mon jeu a crash à cause de mon PC de merde, du coup j'ai plus. Parce que j'avais fait refaire tous les bâtiments comme je voulais, j'étais vraiment... Bah pourquoi tu prends pas les miens? Ils sont pas assez beaux pour toi? C'est ça? J'ai compris, hein. Merci, ça fait plaisir. Journée de 10h45! Mais quoi? Un saut de glaçon, ma pauvre. J'avoue, tu fais quoi comme boulot? Et cocotte, t'as une toilette là. Ouais, je pense qu'elle va être buggée pendant 10 ans pour être éreintée. Ah, c'est trop drôle, la vie. Oh, des pâtes, c'est bon. Tu vas me donner envie de bouffer des pâtes. J'ai déjà mangé ce midi. Mais bon. Petite pâte carbo. Ça se refuse pas. Grooba! Ah, les hurlements. Ventilateur, tais-toi. Et plafond, t'as intérêt à rester épais. Vilain plafond, vilain ventilo. Non mais, j'en ai marre, moi. Salut, Lovo Sims, comment tu vas? J'en veux, Marie. Ma quiche est prête. Et chaud. Jumba.
Vous imaginez dans la conversation, vous êtes en pleine conversation avec votre sœur jumelle, et pendant que vous finissez votre phrase, vous êtes ouais, mais tu vois, parce que là, et là, t'as l'autre qui se lève, qui se pince, et toi tu fais, mais ouais, moi j'étais comme ça. Viens à la zone, mais alors. Ouais, t'as fait. J'espère que t'as fait toi-même ta pâte. Roquefort. Et j'en ai acheté. C'est la première fois de ma vie que j'ai acheté du Roquefort. Il m'en reste un peu. Donc, I can do that. Yes, I can. Je me tienne droite. On est samedi. Il fait chaud. Elles sont habillées comme, comme en plein hiver. Mais va manger, toi. Je t'ai déjà dit d'aller manger. Casse les reins, hein. Non, pas compote de pommes. Oh, mais j'en ai marre. Après, on va dire, ouais, râle tout le temps sur ces Sims. Mais putain, il y a de... Je sais pas ce qu'ils ont. Mais depuis la mise à jour, à chaque fois que je clique, alors que je l'ai toujours fait, hein, depuis des siècles, que vous cliquez en fait sur ça, 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 ça fait automatiquement la tâche. C'est-à-dire que ben si ils vont besoin de s'amuser, ils vont sélectionner au hasard un truc qui est disponible dans votre maison pour aller s'amuser, ou un toilette qui est libre pour aller se pisser, machin. Et ben là, à chaque fois que je clique sur bouffer, ils veulent créer à bouffer alors qu'il y a déjà 15 000 plats de près dedans. Et c'était pas le cas avant, donc ça me saoule. Voilà, c'est tout. Message est passé. Oh, il a besoin de romantisme, regardez. Il est colère, il dit. Ouais, j'en ai marre. Tous les Sims, ils baissent et moi, je baisse plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va dire ça aux gens qui disent que je fais que ça, hein, de mes let's play. C'est comme ça, c'est pour ça que vous baisez plus. Bah, tu peux te lever, Jeannette? Tu peux aller te prendre une douche. Un petit pipi. Bah tu peux nettoyer, hein, si t'es vraiment pas content. Va bosser. Ah bah en plus c'est l'anniversaire des filles, mais... Et t'es le pète. Mais en plus de ça, ils travaillent tous les deux, donc je suis pas sûre qu'on fasse une... Voilà. Va lui rouler un patin. Oh, yes. Va lui caresser la joue là, il a besoin là. Il a des besoins, hein. C'est un homme hein, il paraît donc. Et là, ce toit dit, eh, t'as vu mon boule? T'as vu hein, il te donne envie hein, tu toucheras plus chérie. Allez, tu vas brosser les mains. C'est chaud quand même, Katnia. T'as bien du courage. Moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Pas ton Roquefort, ah ouais. J'ai acheté McDo après le live. Moi, je peux pas, j'ai pas d'argent. C'est réglé. Et voilà, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous foutre le feu. Parce qu'ils savent pas aller dans le frigo chercher un plat. C'est bon, là? Vous arrêtez de parler, vous passez un peu aux choses sérieuses? Voilà. Oh, le gros palo! Allez, bah, tu veux, si tu veux faire à bouffer, tu vas faire à bouffer. Servir un petit déjeuner, du pain perdu. Elle nous fait des fruits, mais... Ah, c'était que pour elle, en plus. Ah non, 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 pardon! Je dis là, des choses pas jolies. Ben, je rentais. Bah, t'as pas besoin, tu vas venir manger. Toi aussi. Et les filles? Oh les filles, oh les filles! Émeraude de marteau! Cette musique. Mochi pichi! Je pourrais manger des pâtes au Roquefort toute ma vie. Ah ouais, carrément! Sushi! Oh putain! Ah mais ça coûte encore plus cher que le McDal, donc ça c'est mort. À moins que quelqu'un me fasse un méga don là, c'est mort, je peux pas manger sushi, ni McDo, ni sushi ce soir. Je vais peut-être rien manger, comme ça, c'est fait. Mais déjà parti au taf en fait, j'ai pas eu le temps de te faire manger. Tu as travaillé dur. Et bah dis donc, Nuage, tu serais pas seule avec tes filles. Et tes filles, ce seraient pas des thugs. Qui diraient des grossièretés.
Je sais pas, juste comme ça. Tanoba Yori Bina Esho Sparf Infa. Tu vas te faire engueuler, ma cocotte. Attends que je m'assoie plus près de toi pour t'engueuler. La 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 la. Oh, un peu de vieux pécho. Zigafomi, t'en es où, ma cocotte? Parce que... Oh putain, allez, on est à 34% de la victoire. Ta la ta li li ta li pa li papa, pou pa li ta te, la pa li poupette. Qui c'est qui vient taper à la porte? J'ai entendu. Ne fais pas dire le contraire. Voilà. Tu vas pouvoir éducationner ta fille. Ferme. Hop. Allez, plus que 29%. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur? Invité à rentrer ce jeune homme, voyons. C'est un qu'on connaît ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est ce jeune homme qui vient frapper à la porte comme ça? Je pense pas. Na. Ah, il s'est dit, il y a des femelles ici. Je vais peut-être tenter ma chance. 7 sur 13. Ah, il est un petit peu vieux. Il est un petit peu vieux, mais il pourrait coller avec... avec notre prune. Est-ce qu'elle mérite d'avoir un mec un peu beau gosse comme ça? Je ne sais pas. Elle est contente, regardez, elle est enjôleuse parce qu'elle a, elle a eu le bidet. Qu'est-ce que tu... Je t'ai dit... Oui, pourquoi tu vas loin... Pourquoi tu vas... Mais... Quoi? Mais what? Mais ça va pas bien, non? Pourquoi elle va... En fait, elle en a marre de se faire engueuler par sa mère. Elle est partie à l'autre bout de la baraque pour les... pour dire les injures. Pourquoi Prune a des chaussettes dans ses chaussures ouvertes? Wesh. Mais parce que on l'a relooké la semaine dernière. Mais vous suivez pas, en fait. Hein. C'est ça, le truc. C'est que vous suivez pas. Et j'ai dit que ça, c'était à la mode. À une époque. Je sais plus laquelle. Vas-y, va lui faire des grimaces, parce que ta mère, elle s'ennuie. Va lui faire des grimaces, quand même. Parce que vous êtes sympathiques entre vous. Salut Tristan, c'est marqué dans le titre, c'est le note Sauberry. Il est bof. Bah ça va, il y a pire, hein, quand même. Il y a moi. Il a une tête bizarre. Oh, on s'en fout, là, on le fout avec Prune, ça passe. Qu'est-ce que t'as de plein de toi? Eh ben, t'as qu'à te mettre toute nue si t'es pas contente de la chaleur. Éducation. Non, mais vas-y, non, mais dis des gros mots. Qu'on rigole. Je pensais qu'elle disait des gros mots en fait, mais c'était pas le cas. Là, ça en est. Voilà, ça j'aime ça. Oh, si, un petit hurlement. Tu vas dire que je râle tout le temps, mais s'il est si pas beau. Moi, je vous demande pas d'aimer, hein. C'est pas possible, vous jouez pas avec. De toute façon, on jouera pas avec elle, on s'en fout. Année 70. Bah ouais, pourquoi pas. Il me semble que c'est plus récent. Il y a pas très longtemps, il y a eu ça. J'ai vu ça sur Insta. Sur certains. Pas tout, pas tout. Ouais. J'ai vu. Oh, il y a peut-être 2 ans. J'en sais rien, un ou deux ans. Je sais pas, je regarde pas. Je fais pas attention. Allez! Éducation, discipline et calme. Oh, il y a pire, oh là là! Vous êtes vraiment des... Hein, il y a sa tronche à elle qui est pire déjà, non?
C'était la super lubie de... Bah oui, mais punaise. Mais toi, arrête. Tu me gaves avec ta maison de poupée. Oh, on est à 14%. Oh. Bon, lui, tranquille, il joue à la play. Qu'est-ce que... Mais dites, mais qu'est-ce que je vois? Minnie serait enceinte? C'est pas moi qui l'ai mis, non, quand même. Parce que bon, leur mère avait un petit ventre, hein, mais comme elles ont vachement fait de sport, c'est pas sa morphologie, hein. Je pense qu'elle est enceinte. Marie Poshima, inappropriate. Oh, think well. Est-ce que tu peux donner des conseils familiaux, des conseils sur l'éducation? Qu'on rigole. Bah, alors, Minnie, on a une brioche au feur. Au feur? Ouais, une brioche au feur. Elle commence à 15h. Hein. Quand même, hein, en deux clics, je pourrais savoir, mais... Tu peux donner des conseils d'éducation? Tu peux le faire à peu près toute la planète, mais à ta sœur, tu peux pas. Tu t'es dit non. Là, il faut que je regarde si les filles clignotent, d'ailleurs. Tenez, des conseils d'éducation. Conseils d'éducation à ta sœur. Ah, t'as remis un autre en route. Faut absolument que tu fasses ça, parce que franchement, ton premier, c'est un coup. Tu l'as pas bien éduqué. Le live bug chez moi, pas de soucis, Nami, à bientôt, des bisous. Elle vient avec quoi, la robe de Minnie, j'adore. De Minnie? Je sais plus. C'est pas... Non, je sais plus. Je confonds, je me dis que ça peut être saison comme ça peut être autre chose en fait. Ou chien et chat, ou je sais plus. Je crois que pour moi c'est un add-on, hein. c'est pas un kit ou un pack. Ah bah voilà, elle est intéressée. On va la mettre avec. Des chaussettes dans des talons. Bah elle a pas de talons en fait, c'est des chaussures plates. Donc en fait. Bah tiens, il est triste, bah ça. Ça change. 10 minutes, t'es enceinte ou c'est une illusion d'optique? Oh là là, 88%. Allez, allez. T'as donné, mais pas familiaux, des conseils d'éducation, on a dit. Excusez-moi, hein, mais c'est pas la même chose. Oh, viens là, toi. Tu vas dire des saletés. Travail de nuage dans une heure. Ah, vas-y, viens pas casser les couilles. Je suis désolée. Crier des mots interdits. Voilà. Perfect. Éducation, disciplinée, ferme. Pas dire des mots. Ça va pas marcher, hein. Oh là là, quel méchant plafond! Oh oui, dis donc, il est méchant, hein, il faut lui taper dessus, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, on est à 7%, les gars. 7%. Ouais, j'ai pas regardé quand est-ce qu'elle vieillissait, mais au pire, il y a le père qui sera là. Y'a papazzi, la popo, la zouzou. Et discipliné, hurlé. Et une petite dernière. Yes, et dernière. Hop. Mikuyo. Regardez, il y en a 99% là, c'est bon. Discipliné, ferme, de pas dire. Exprimer son admiration. Oh, je t'admire quand tu dis des saletés. Grâce à toi, j'ai le niveau 10 en éducation. Spire de gloire. Impossible, mais c'est un add-on. Mais je sais plus. Et yes! Compétence niveau 10 en éducation. On a très bien avancé. Il nous reste plus que la carrière à maxer. Donc, tu vas regarder la téloche. Te remonter un peu le... Et après, elle ira au boulot. Bon, on le prend pour prune ou pas? J'ai envie de dire oui. Comme ça, elle dégage.
Enfin, elle dégage. Clap, clap. Ah, un petit peu triche, triche, tu vois, mais rien de méchant. Ah, je suis contente. Sœur de gloire, du coup. On en est où dans la carrière de nuages? Niveau 9? J'ai envie de dire niveau 10, mais non, bientôt. Enfin, j'espère. Pas aujourd'hui, mais on a eu niveau 9. Donc, ouais, voilà, tu vas aller au boulot. T'es en retard de 20 minutes, c'est pas grave. Vas-y, marche dans la table. Ouais, c'est ça. Marche dans partout, t'as raison. Mathieu Agré. Vas-y, Nunu. Bon, là, on commence à peine au niveau 9. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié Charisme, j'avais pas regardé. Tu vas discuter avec les collègues. Tu as travaillé dur. Bon, Gertrude, tu vas te mettre en couple avec ce jeune homme. Pendant que ta chère tante regardera comment tu t'appelles. Je dis n'importe quoi. Dis, t'as vu mes chaussettes dans mes chaussures? C'est trop classe, hein. Il y en a plein, ils aiment pas. Mais moi, je sais que c'est beau. Bon, attention, elles clignotent pas, les filles, encore. Donc, ça va, on est sauvés. Et elle se dit, oh mais attends, il y a des trucs sympas, je reviens avec à bouffer, je vais manger les pop-corns en regardant voir ma nièce qui drague. Par contre, ils se connaissent pas des masses. Ah, flic à flouf. Ah, Dieu, qu'elle est moche. Pardon. C'est pas possible, est trop moche. Merci tout le monde. Une bonne chose de faite. Mais oui, je le trouve mignon. Moi, le petit Sims, par contre, son short de Sulani, je le déteste. Ça dépend, parce que là, je pense qu'il est trop fin ici. Et du coup, ça fait une forme chelou. Mais sur certains autres, ça passe super bien. Iowa, il l'a. Hein. Iowa, t'as pas dit que ça lui allait, c'était pas beau. Hein. En temps, Iowa, c'est Iowa, tu vois. Mais viens plus près, mon chou. N'aie pas peur, je sais, elle est un peu repoussante, mais bon. Elle te fera rat de bibliothèque. La 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 la. Bon, de toute façon, on va finir sur l'anniversaire des filles. Hein. Oh! Je vais décéder de chaleur avec Dieu. Mais non. Ça va les loulous? Vous vous énervez? Bon, on fera rien parce que sinon elle va être rétrogradée et c'est dommage. Mais conférence de presse d'après-match. Suite à un match qui s'est terminé par une défaite difficile, Nuage est interviewée par les médias. Déjà sur les nerfs, elle sent la colère monter lorsqu'un journaliste lui dit « Statistiquement, c'est l'un des pires échecs de l'histoire du sport. Votre équipe menait largement et s'est effondrée à la dernière minute. Qui est responsable ?» Submergée par ses émotions, Nuage a envie de se plaindre de l'entraîneur qui ne l'a pas fait entrer sur le terrain pour les dernières minutes. Mais elle sait aussi que de tels problèmes doivent se régler dans les vestiaires, loin du public. C'est à la raison. Nuage va-t-elle accuser son entraîneur de ne pas avoir utilisé ses talents ou faire preuve de professionnalisme? C'est bon, vu qu'on est dans un jeu où il faut atteindre le niveau 10. Voilà, on va rien faire parce que ça me ferait chier de rétrograder, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Maman loulou, mais oui, j'arrive après. Enfin. On va attendre. Eh, mais j'y pense, toi, tu peux faire des gâtales. Vas-y, on s'en fout. Bon, on voulait savoir si elle est enceinte pour de vrai de Minnie. Oui, on veut savoir si Minnie est enceinte. Et elle attend encore un garçon. Ça va nous prendre une gosse, non? Une fille? Attends, voilà. Donc elle est enceinte d'un garçon. Moi, j'ai utilisé mon super pouvoir de divination. Iowa the BG, mais oui! Mais ouais, super hot, un sac poubelle lui ira ce Sims, tu peux le mettre dans la galerie. Oui, pour un test scientifique. Faudra que je le mette, c'est vrai que je l'ai pas encore mis. Ah, de t'énerver!
partage avec ce jeune homme complimenter la tenue et complimenter l'apparence. Reviens là. Bravo Mary, je suis fière de toi. Tu es mon digne fils d'amour, cœur, plus petit que 3, plus petit que 70. D'accord, pourquoi pas. Oui, bah c'est pour un gosse avec des yeux marrons, quel est l'intérêt? J'aime bien vous embêter. Ah mon dieu, papa est revenu, papa est revenu. Voilà. C'est mignon. Zamba Yobo, tiens, tu peux aller faire ce que tu veux. Ah, t'es en retard. Hein. T'es pas fini, toi. Je suis affreuse avec ces gosses. Vous voyez, ils se sont tous mis en tenue d'été d'eux-mêmes. Hein. Ils ont pas besoin de se plaindre. Hein. Tu. Ouais, il est. J'ai rentré ton père, en fait. T'es un peu. Toi, t'es encore plus débile, toi. Ouais, bon. J'ai compris, doudou, j'ai compris, tu as faim, j'arrive. Excusez-moi. Ah oui? T'as déjà pas fini ta pâtée de ce matin, alors? Forcément. Bon, tu le dragues? Comme ça, elle sera casée, elle, hein. Oh bah merde. Bon, ça marche. Ouais. Ah, c'est bon. Franchement, ça va. Il est mignon. Petit problème de sourcils, c'est tout. Et tu fais quoi, toi? Bah non, c'est bon, l'éducation, c'est bon. C'est... Oh, il est par terre, choupi. J'allais dire, elle fait ses devoirs sans sa mère, mais en fait, on s'en fout. La tronche d'Adonis qui est dehors et il est blasé. Mais regardez! Purée, heureusement, hein. Heureusement, ma cocotte, qu'on est au niveau 10. Sinon, je t'aurais encore engueulé. Mais va manger, toi! Mais ils ont des problèmes, hein. Oh, j'en ai marre de leur repas rapide. J'en ai marre. Tu vas prendre des spaghettis, on va voir s'ils sont buggés encore. Toi! Toi, t'iras aux toilettes, Asya. Ça sert à rien que tu fasses tes devoirs, cocotte. Hein. Ah, c'est papa qui y va. Salut, Bubu, comment tu vas? Je suis pareil qu'elle quand mes parents rentrent. T'es là, tu fais... Même s'ils sont déjà rentrés, tu sors et tu fais... C'est chelou, toi. Tu es chelou. Papa, tu viens nous faire un gâtal? Pour tes filles. Alors, un gâtal rose. Parce que génération prune, pourquoi pas. Hein, Moumoun? T'as chaud, Choupi? Qu'est-ce qu'il a? Il m'énerve. Tu vas pas me dire qu'ils sont 15 000 à aller sur la gazinière. Hein? Quand même. Salut, comment il s'appelle déjà? Jonathan. C'est laquelle des deux qui a pas mis ses devoirs? C'est Lila. Et sinon? Bon bah maman elle sera rentrée, on pourra faire l'anniversaire. Et on terminera là-dessus pour aujourd'hui. Avec révélation des tronches des filles. Ça fait longtemps hein. Depuis qu'elles sont bambines, moi j'attends que ça. Hein. Moi je suis trop contente, j'en fais les... Comment ça tu fais... Pas de soucis, Lovo Sims. Ok, Bubu, pas de soucis. Tu fais des bisous câlins à qui? Ah, tes parents, pardon. Oh là là, je... Ah, putain, mais... Et toi, tu veux pas manger un truc? Mange. Qu'est-ce qui est jaune et qui atteint? Lol Prout. Poussin, en attendant de se faire ratatiner dans une chaîne de trucs d'œufs. C'était joyeux. Cette minute horreur vous a été offerte par Shirley 1000K.
452 Semflouz. Tu disais, Sianana? Oh oui, j'ai pas beaucoup payé cette carrière. Qu'est-ce que t'as fait de mon gâteau? Mais rends-moi mon gâteau! Mais quel con! Allez, maman! On va faire l'anniversaire. L'anniversaire, c'est pas celui de ta mère! Et tu vas créer un événement social, on va inviter. Un poussin au KFC! Ouais, c'est ça, Banner Salé! Comment tu vas? T'arrives un peu au dernier moment, mais au meilleur moment. Hein. On va faire l'anniversaire des jumelles. Donc elles vont mais parce que j'avais pas tilté que c'était le salaire horaire pas journalier. Oui, je sais. I know. Alors, on va inviter Prune à Donis. Bah, alors, Banner, t'étais où? Mini, Marina, Perle. Mais le mec de Perle... Tu essaies de nous convertir au véganisme. Ah. Non. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je respecte presque tout le monde. Mais il y a toujours des trucs que je peux pas, tu vois. Comme ne serait-ce que pratiquer la chasse, moi, je peux pas, par exemple. Mais tu peux t'habiller bien. Ah, maman! Tu peux t'habiller bien, mince, zouzoulette, là. Vas-y, habille-toi comme une beauté, là. Vas-y, va rouler un gros patin à ton gars. Parce que là, il te regarde, il se dit, oui, mais ma chérie. Ah, j'attends qu'elle clignote. Pour l'instant, il n'y a personne. Oh là là. Ouh, ça y est. Ça y est, lavande. Attendez, parce qu'ils disent lavande. Mais elle clignote pas encore. Oh, t'as envie de tirer ton cou, non? Ah oui. Mais non, on va mettre de la musique. Pas de la musique classique parce que c'est du caca. Enfin. Musique alternative. Non, mieux. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'en ai marre. Morceau étrange. Non. Rétro. Régler le volume élevé. On va danser sur du Sims, les enfants. Ah, là, c'est bien confirmé hein, qu'elle est en cloque. Hein. C'est mignon, elle dit bonjour à sa nièce. Tout, 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 tout. C'est mignon, pourquoi elles font des câlins comme ça? Allez, c'est la fête! Bon, Minnie, elle peut s'asseoir, elle est en cloque. Est-ce que Perle va venir? Parce que la dernière fois, elle était mise de côté un petit peu quand même. Les cousines, elles sont des câlins. Oui! Perle, vous êtes donc con? Qui c'est toi? Qui t'es toi? Elodie Morel. Apparemment, on te connaît, mais je ne sais pas de qui, de quoi. Salut! Salut! Putain, mais tout le monde doit pisser dans cette baraque! Ah, c'est bon, va pisser! Et elle est où, Lila? Ah oui, elle est là! Ah, mais maintenant qu'elle a dit son chant, nuage, je chanterai plus jamais! Hein. Voilà, ça danse, regardez-moi, c'est la fête! Minnie, reviens ici. Je clique à tes fesses exprès. Viens danser. Voilà, c'est la fête, tout le monde va bien. Non, toi, tu vas pas jouer au PC, ça commence à bien faire. Tu vas parler avec ta cousine, tu vas parler avec ta soeur, je m'en fous. Voilà! Alors, vous clignotez ou pas? Non! Manger de la nourriture, faire en sorte qu'un adulte porte un toast. Oh la vache, ça pas demain la veille. Hein. J'ai révélé un secret. Perle est là, hein. Perle est là. On la connaît toujours pas très très beaucoup.
On va parler de sport quand même. Les statistiques sportives. La belle musique. Et regarde. Oh, la fin du live, il va être tard, hein, ma cocotte. Vas-y maintenant. Enfin, c'est vrai que là, j'avais pas vu l'heure. Bon, il est minuit. Quand est-ce que vous clignotez? C'est bon. Ta-ta-ta-ta-ta. La vente va souffler les bougies. Oh là 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 là. Oh, j'ai ce stress. J'ai ce stress dans mon corps. Viens ici. Eh, hey, t'es où? Vous êtes où? Mais tu vas rien faire à bouffer, mais viens là, gogol. Oh putain, mais que des glands. C'est l'anniversaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Ceux-là, on va avoir Perle sur la photo. Ça vaut pas du tout, cette histoire. Révélation. Attends, parce que s'il y a ta sœur derrière, je vais essayer de faire un plan. Ouais, mais avec la chaise, ça marche pas. Bon, on va prendre que elle, hein, tant pis. Hein. Anniversaire des jumelles. Oh ! Bon, là, elle a la tête surprise, hein. Je pense que relooker, ce sera mieux. Ah bah oui, c'est vrai. Donc, nous devons être Sims aux multiples talents pour son aspiration. Voilà. Et entrer, je pense que du coup, c'est machine à danser et réticent à s'engager. Donc, réticent à s'engager à 16 ans, je pense pas. Donc, ce sera une machine à danser. Tu peux remettre les boujax pour ta sœur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'était lui que j'ai cliqué! J'ai eu la peur de ma vie. Je pensais que j'avais cliqué sur elle, en fait. Oh, elle est pas dégueulasse. Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas célébrer ton père, c'est pas son anniversaire, c'est le tien. Par contre, ce look. Attendez, moi je suis perdue là. Oh là là, je sais pas si je suis contente ou pas. Stress. Lila, je t'en prie, sois plus belle. Encore plus belle. Bonne chance après pour la génération prune. J'y suis. On n'a pas le temps de chômer. Oui, je sais. J'ai peur. Bah, elle a la même tête, quoi. Elle a la même tête. Oh, ce maquillage de l'enfer. Ça lui va bien, cheveux courts, en fait, en plus. Bon, alors la même. Sims aux multiples talents. Et machine à danser. Si j'arrive pas à cliquer. Ah non, j'ai ma préférence là. Oh, je sais pas si c'est juste une question de couleur ou de maquillage ou quoi, mais. Moi, c'est quand même Lila la plus belle. Celle dont vous ne vouliez pas. Par contre, les gros boobs, c'est d'héritage familial. Ah ouais, bah ça. Bah, on avait bien doté Pepper. Coquelicot, elle était bien fournie. Bon, après, on a eu deux hommes. Et là, avec Nuage, et la mère de Nuage, elle avait aussi... Enfin, elle avait un petit bidou et tout, mais... On voit bien que Nuage, elle était bien dotée, hein. Donc, voilà, voilà. Les jumelles ont grandi. Faut voir le relooking. J'aime beaucoup son visage. Après, c'est le blond peut-être qui fait.
Ouais, niveau des boobs, c'est bien fourni aussi. En tout cas, rien à voir avec leur sœur. Hein. Bon, c'est sûr que ça se jouait entre les jumelles, hein, je vous le dis. Hein. Oh. 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 Et qui sera sur le mur ici avec Nunu? Pardon. Hein, laquelle? Laquelle des deux succédera sur ces murs? On ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas. Et je pense que comme il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, il faudrait qu'on commence assez rapidement à jouer sur la génération prune. Parce que parce qu'il y a beaucoup de choses et que plus je commence vite, mieux c'est. Ah, c'est carrément familial, hein, je vous le dis. Hein. Je préfère Lila, c'est bon. Ah, Crimel Live encore ! Ouh, la vache. N'arrête jamais. Je hais Lila, pourquoi ? Pourquoi tu l'aimes pas ? Est-ce que la maison actuelle compte comme une des maisons de... Non, je pense pas. I don't think so. Oh, Whoopi Gorge. Bon, il va falloir qu'on voit... Ah, c'est chiant. Allez. Ok, ok, ok. Eh ben, écoutez... Arrêtez d'être tout le temps sur les ordinateurs. Vous me cassez les pieds. Il est 2h du mat. Allez, va te coucher. Toi aussi. Tu vas jouer la sérénade à son mec. Sacrée coquine. Toi aussi, va te coucher. Et les jumes, ben pareil, vous allez vous coucher, c'est pas grave. Les gens, ils finiront. Et peut-être qu'avec de la chance, ils laveront les assiettes. Comment ça, tu peux pas être couché? Ben t'as On peut voir les morveuses dans le cas. Comment ça, les morveuses dans le cas? Dans le CAST? Oui, bah après. Pas maintenant. Ce sera l'exclu Twitch. YouTube, faut venir en live. Hé hey. Elle a une nuisette déjà violette. Elle a tout compris à la vie. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire dans le... Mais va te coucher. Ah, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais oh. Voilà, une récompense. Ah, c'est marrant, elles ont toutes les deux des lunettes pour dormir. Putain, mais ils ont quoi comme problème pour aller se coucher là aujourd'hui là? C'est bon là. Couchez-vous. Moi j'éteins. Allez hop. C'est calme pour tout le monde. Oh. Allez Adonis, va au dodo. Et c'est bon pour moi, j'enregistre et je vous remercie de m'avoir regardé pour cette rediffusion YouTube. Merci d'avoir été là, 1h48. Ça va être chaud, je suis pas sûre qu'il y a des bons ou grands monde qui va regarder. En tout cas, maintenant les jumelles sont devenues adolescentes. N'hésitez pas si vous avez des idées pour savoir comment les dissocier. Est-ce que peut-être une compétition sur la logique vous plairait? N'hésitez pas à me dire en com. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite d'une autre Sauberie ou d'autres choses. Des bisous, à très bientôt. Ciao.